je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, une séance de cardio renfo. Si vous êtes comme moi, le nez qui coule, le nez bouché, vous êtes au bon endroit. On va déboucher tout ça et bien sûr se réchauffer. Alors gardez votre tapis à côté pendant la séance, mais on commence bien sûr par un petit échauffement. Allez, inspirez, grandissez-vous et soufflez. Encore, inspirez. Et soufflez, on tape sur le côté. Allez, on fléchit bien les jambes, soupe sur les genoux, on baisse les épaules. Et bien sûr, on serre le ventre. Allez, on va tirer le bras sur le côté, au plafond. On enchaîne avec des cercles de bras. Allez, échauffez bien vos épaules. Et par en talons fesses. Toujours les genoux fléchis, on tire sur les bras. Allez, on fait genou ici, on fléchit bien la jambe, serrez le ventre, encore 4, 3, 2, et change de côté. Allez, encore 4, 3, 2, et en alternance. Allez, on monte bien le genou. Et on monte le bras opposé au plafond. Encore. Et cours sur place. Allez, petite course toute simple. En step touch. Deux pas à droite, deux pas à gauche et reprends. Toujours bien fléchi. Et on va chasser, chasse. Et rajoute les bras, tourne et tourne. On va chercher loin au plafond. Rajoute talon. Dernière. Et cours sur place. Pousse les bras au plafond. Encore. Et marchez. Allez, marche dynamique. Je vous explique un petit peu le principe. On aura 5 exercices à faire, qu'on fera 2 fois. Et entre deux, on fera 2 mouvements de cardio. Je vous montrerai. Pour le moment, vous mettez votre tapis sur le côté et on revient. Et je reviens. Allez, on commence par marcher, on va commencer par le cardio, on va courir, sauter, courir en arrière et faire des squats. Prêt? Allez, c'est parti, on court, on saute, on recule, on fait des squats. On court, petit saut et on fait des squats. Allez, soufflez bien, quand vous faites les squats, les fesses bien en arrière. Alors, vous pouvez le faire en marchant, petit saut, marcher et squat.
Vous le faites à votre rythme. Allez, marchez. On passe au renforcement musculaire. On part. Jambe droite, on revient genou. Allez, on le connaît celui-là. On fait juste la jambe droite pour le moment. Allez, on commence à avoir bien chaud. Le genou bien au-dessus de la cheville. On fait un joli escalier avec ses jambes. Allez, on fait une minute de renforcement musculaire. Inspirez, soufflez. On serre le ventre pour garder l'équilibre. Allez, les dernières secondes. Et on repart. Petite course, saute et squat. Allez, soufflez bien. Allez, marchez, on passe sur son tapis. On se met à quatre pattes ici. On décolle les genoux. Vous allez lever le coude droit, poser la jambe, revenir. Et pareil de l'autre côté. On garde le dos bien aligné. Allez, soufflez bien. Allez, les derniers. On se relève. Et c'est parti. Petite course, petit saut et squat. Allez, on souffle bien. Marchez, on prend appui sur la jambe gauche, fléchis et ici on monte la jambe droite. Allez, on travaille les abdos pour garder l'équilibre et la fesse. Allez, on récupère pendant le renforcement musculaire. Allez, on a le nez qui se débouche bien. On a bien chaud. Encore. Prêt? On repart pour le cardio. Allez, petite course. On saute. Et le squat. Marchez, on repart sur son tapis, assis cette fois-ci. Tout simple, pied au sol, on souffle, on revient. Souffle, serre le ventre. Le dos bien droit. On ramène
Le menton à la poitrine. On baisse bien les épaules. Allez, encore. Donc après, il y aura une deuxième série où on refera les exercices de renforcement musculaire. On changera un petit peu le cardio. On compliquera un petit peu le renforcement musculaire pour ceux qui veulent. Allez, on se remet debout. Et on repart pour le cardio. Allez, petite course, saute. Allez, on n'oublie pas les fesses en arrière. Allez, on se remet sur son tapis. Toujours assis, cette fois-ci les doigts vers soi. On décolle les fesses. On ferme bien les coudes. On fléchit, on tend. Allez, serrez le ventre. Allez, on inspire, on souffle. Allez, on travaille l'arrière des bras, les triceps. Encore. Allez, on frôle le tapis avec ses fesses et on remonte. Et on relâche. Allez, on repart ici. Petit cardio, les derniers. Marchez, marchez. Alors, vous pouvez mettre sur pause. Allez boire avant de commencer notre deuxième circuit. Et on va mettre le tapis devant soi cette fois-ci. Ne vous asseyez pas dans le canapé, hein. Juste, allez boire. Allez, on est parti pour notre deuxième circuit. On récupère encore un petit peu. Alors ici, l'exercice cardio, on va partir en pas chassé droite et gauche et on va toucher le sol au bout. Ceux qui font des sports co connaissent ce mouvement d'échauffement. On fléchit bien les jambes et on est parti. Et chasse, touche, chasse. Et on doit rester bien bas. Et on souffle bien. Allez, ça chauffe dans les cuisses. Allez, on reprend les fentes, cette fois-ci de l'autre côté. On est jambe gauche derrière, on remonte. Allez, le renforcement musculaire permet de récupérer. Une récupération dynamique. Allez, soufflez bien. Serrez le ventre pour garder l'équilibre. On ne se laisse pas perturber. Alors ici, petite variante. Chasse, on se grandit. Talon au bout.
Alors, on alternera les deux. Encore. Allez, on repasse à quatre pattes. On décolle les genoux. On ouvre sur le côté. Et on peut décoller le pied ici. Allez, encore, encore. Je me rhabille. Continuez. Continuez, continuez. J'ai une bonne excuse pour m'arrêter. Allez, on y va. On reprend nos pas chassés, cette fois-ci petit touche. Allez, on fléchit bien les jambes. Debout, on prend appui sur la jambe droite et on enlève la jambe gauche. Jambe d'appui fléchie. Allez, encore, encore. Serrez bien la fesse. Le haut de buste ne bouge pas. Encore. Allez, on repart en pas chassé haut cette fois-ci. Allez, va chercher le haut plafond. Allez, on passe assis. Pied au sol. On souffle et on revient. Alors ici, si on veut compliquer, on ramène un genou en alternance. Allez, encore. Serrez bien le ventre toujours. Allez, les dernières secondes. On se remet debout. Et on repart sur les pas chassés en bas. Touche. Touche. Allez, encore, encore. On lâche rien. On repart en position assise.
Les doigts vers soi. On décolle les fesses. On est bien? Fermez bien les coudes. On fléchit en temps. Alors, si vous voulez, on lève une jambe en alternance. Quand on fléchit. Ou on reste les deux. Au sol. C'est comme vous voulez. Allez, soufflez bien. Allez, on se remet debout. Dernière fois, un pas chassé. Cette fois-ci, en haut. Allez, cours sur place. Allez, petite course tranquille. Marchez, marchez. Marche dynamique. Relâchez les bras. Allez, inspirez. Et soufflez. Allez, ouvrez les jambes sans marcher. Inspirez. Et soufflez. Encore. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Allez, on va quand même s'étirer un petit peu les jambes et les bras. Allez, les jambes bien écartées. Les genoux souples. On est bien droit. On va pivoter sur la droite. On va fléchir hein, la jambe droite. La jambe arrière est bien tendue, le talon au sol. On étire ici tout le mollet et la cuisse à l'arrière. Le bassin bien de face. On va attraper ses mains, pousser les mains loin devant. Inspirez, montez les bras au plafond. Sans creuser le dos, soufflez. Vous allez fléchir le bras droit, attraper le coude avec la main gauche et pousser sur votre coude. Revenir, soufflez, relâchez. Prenez appui sur la jambe droite. Attrapez le pied gauche. Le talon bien dans la fesse pour étirer les cuisses. Et relâchez, revenez de face. On change de côté. On fléchit bien la jambe devant. Le talon bien derrière, posé au sol, le bassin bien devant. On attrape ses mains, on souffle, on fait le dos rond. On monte les bras au plafond. On fléchit le bras gauche. On attrape avec la main droite le coude. On étire ses triceps. Poussez bien. Relâchez le tout. Prenez appui sur la jambe de devant. Attrapez le pied. Collez bien les deux genoux. Revenez de face. Toujours les jambes écartées. On inspire, on se grandit. On fléchit les jambes. On incline à droite. Attrapez votre poignet gauche. Tirez sur le bras. Revenez au centre. Toujours les jambes fléchies. On incline de l'autre côté. Attrapez votre poignet droit. Tirez, tirez, tirez. Inspirez, soufflez, relâchez au sol. Mettez les pieds parallèles, les jambes fléchies, mains au sol ou sur les tibias. On va tendre les jambes. Rapprochez le buste des jambes. Lâchez la tête, les épaules. Fléchissez, mains sur les genoux et déroulez tout doucement. Dernière fois, inspirez,
soufflez, relâchez. Et voilà, notre séance de cardio renfo est terminée. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve samedi avec un spécial fessier 100%. On va travailler les fesses. Et en attendant, je vous embrasse très fort.